Est-ce que ça va? Mets-toi à couvert! Je vais l'occuper! Hop! Par ici! Dépêche-toi! Il va recommencer! Baissez-vous! Relève-le! Je vous couvre! Tiens, Noct! Un octo! L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Ouais, carrément. Bon, Corne nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. Pourquoi t'en faire pour moi? Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils.
On n'avance pas. Pas cool, la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix, faut continuer à pousser. Hein? Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Dépêche. Ça va, j'ai compris. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter? Ouais, ce serait bon. On y va. Un, deux, trois. Ça me saoule, j'en ai déjà marre. Et moi, prince charmant, tu crois que j'en ai pas marre de t'entendre râler? Il faut savoir positiver. Dixit, le mec qui se fait pousser. Ah. Ça commence bien, ce petit voyage. Gladio, sois un vrai pote. Comment ça? Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît? Tu veux dire, tout seul? Allez, pour un gars aussi musclé, c'est de la rigolade. Ce qui est moins drôle, c'est de voir à quel point t'es flemmard. On peut se concentrer sur notre tâche? Laisse-moi conduire, Ignis. Mais t'étais au volant il y a pas 5 minutes. C'est vrai, ça. C'est mon tour, maintenant. C'est beau de rêver. Oh, j'ai trop mal aux mains. Hé, hey, tu veux la mienne sur la tronche? Calme-toi, c'est bon. Alors, toujours rien? Occupé à chaque appel. Attendez, je l'ai pas rêvé. C'était pas censé être si loin que ça. Je t'assure que la carte est correcte. Elle indiquait qu'Hammerhead était à 2 pas. Bah ouais, pas loin du tout. La prochaine fois, vérifie l'échelle. Je vois. Le monde est plus grand qu'on l'imagine. Et plein de merveilles aussi. Pah ! Ça me fait une belle jambe. Vous êtes sûr que vous poussez ? De toutes mes forces ! Comme j'ai jamais poussé. On ne devrait plus être très loin. Salut les gars, je vous attendais. Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince? Ah, enchanté, votre Altesse. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Et t'es qui, toi? Cindy, la petite fille de Cid Sofiar. Je suis mécano ici. Dépêchez-vous de la rentrée. Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture? Elle mérite d'être traitée avec délicatesse. Noctis, le fils de Régis? Ouais. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi? C'est un voyage important qui t'attend, fiston. À voir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Bon, bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Pas trop longtemps, j'espère. Bon, on n'est pas à quelques heures près. Dites, les gars, c'est la première fois que vous venez dans le coin? Explorez la région. Tenez, pour pas vous perdre. Thank you.
Dans ce cas, autant en profiter, non? Regardez-moi ça. Ils ont de l'ébonie ici. Ignis va halluciner. Mais c'est quoi un guil? Pour admirer le disque. C'est le belvédère de l'Estalo. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Pour ce que j'en sais. Quelque chose vous intéresse? Vous pouvez éliminer la vermine? Merci d'avance. Merci à vous. Dites donc, vous êtes courageux. Pensez à bien vous équiper. Nocte, j'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou. Que dirais-tu d'aller parler à Cindy? On est sur la paille. On est fauchés comme les blés. Ouais, t'as tout compris. Quand j'y pense, le vieux nous a fait payer une vraie fortune. On va pas se laisser faire. Déjà de retour? La voiture est loin d'être prête. Y a un problème? Pour une révision... C'est quand même un peu cher. Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Ah, et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer.
attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à papy. Dans cette région, les choses qui font peur... Noct ! Ça vaut le coup d'aller voir ! C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Vous avez un petit creux ? Ça prendra une minute. Oh, ça n'a pas l'air mauvais. Ça ne devrait pas être très dur à reproduire. Ne vous faites pas éclater la panse. Ah ! Waouh ! Ils ont plein de trucs différents de chez nous ici. C'est un peu normal. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Tu te sens d'attaque, Noct ? Bravo. On continue comme ça. C'est parti! Ça ne prendra qu'une minute! Allez, on enchaîne. Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois! D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Prenez tout ce que vous avez. Allez, on y est presque.
Mission accomplie. Tiens, qui appelle ? Allô ? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien ? Salut, ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave, et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis ? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy ? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature ? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Un message ? Est-ce que tout va bien ? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite. Je suis pas fan des bêtes sauvages, je préfère les chatons. Laisse-moi te parler toi. Kingdix, pêche aujourd'hui. Suivant. Regardez, qu'est-ce que vous dites de cette cabane ? Attends une minute. J'ai un plan. C'est quoi ce truc-là ? Cet animal est un taoti. Il empale ses proies avec ses défenses, afin de les extraire du confort de leur terrier. Ah ouais, c'est un peu cruel, ça. Ok. Combo parfait. T'inquiète pas, Nocte. Je te couvre. J'espère bien. Tu dépasses les bords. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston suivante. Hey, d'où vous sortez, vous ? Alors c'est toi, Dave le chasseur ? On te cherchait. Ça va aller ?
Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres n'étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un, plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Ok. On s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Prêt pour la baston ? Chasseur ou pas, on va lui montrer de quoi on est capable. On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Ok. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour protéger les civils. En fait, ils sont presque comme nos patrouilles de police. C'est une organisation indépendante. Mais ils ont un peu le même rôle. En tout cas, ils sont bien plus entraînés au combat que chez nous. En comparaison, je sais pas trop si je mérite l'uniforme de garde royale. Parce que tu crois qu'on t'en aurait fait un spécial si tu le méritais pas ? T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. Ça y est, on y est. On va dormir dehors ce soir. L'illustration parfaite de l'amitié sur cette photo. Quel sens de la composition.
Elle est quand même bien, hein? Depuis qu'ils sont revenus, c'est Sid qui s'est occupé d'elle tout seul. Elle n'est pas à mettre entre les mains du premier venu. Ça doit pas être simple. Il a fait du bon boulot. C'est une beauté. Elle mérite d'être bien traitée. T'as intérêt. Enfin, si tu veux pas que Sid t'envoie à la casse. Prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous. Ouais, la voiture.